que nous pas croire, et bien bra le fort dans des déclarations Pierre Espérance qui lui-même confirmé dans micro la presse que ancien président Joseph Michel Martelly et bien t'a comploté et fait plusieurs réunions la Kaili pour assassiner défenseur droit monde. Encore une fois nous comptons avec vous, pas oublier sous faire connecter sur canal ça ou sur TV la Kaili. Avec même plaisir nous revenons pour une nouvelle vidéo, des nouvelles informations que nous porter pour vous sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Je nous dis là, mesdames et messieurs, eh bien, Pierre Espérance, je dis à la qui trouve le nom, position, côté, il y a un gros qui a sauté, qui monsieur vraiment senti, il y a un problème parce que réunion faite, selon ça, dit, bon côté, Joseph Michel Martelly, ancien président pays d'Haïti, eh bien, pour ta fait assassiner Pierre Espérance, nous connaît, qui sont défenseurs de la monde et secrétaire, eh bien, général, donc, RNDDH. Mesdames et messieurs, en tout cas, nous pour des détails pour en deux vidéos, ça, qui nous va le faire entendre, Pierre Espérance, qui parle de nous plus toujours, et bien sous comment les mêmes découvrir réunion ça qui fait là et qui est-ce qui dit et comment le faire qu'on est tout, et bien Joseph Michel Martelly, ancien président, a fait complot pour assassiner. Ces vidéos ça nous pote pour là pour le faire de tout bagay. Pas de abonner avec le canal, like vidéo, quitter un commentaire, n'a pas tourné. Dans la date 18 mars 2022, nous voyons l'aide by DCPJ, directeur de CPJ. Et dans l'aide, nous avons des détails sur la réunion qui fait. C'est des gros barons dans le PHTK. Et nous parlons des réunions qui ont été faites en 2021. Et quelques mois avant l'assassinat de l'ONU, pour l'autre réunion qui a été faite le 7 mars, dans un studio dans Kesko, nous avons des informations sur la machine, la machine. Et moun qui était là. Captain, nous-mêmes, ça nous a fait. Nous sommes partisans état des droits. Nous sommes RNDDH. Nous contre banalisation de la vie. Nous avons continué la bataille et pas gagné aucun monde qui est capable de faire même. Nous avons dit. Il y a aucun monde qui est capable de faire même. Et par là, c'est par là qui baille le droit assassiné. On questionne. Joseph Michel Martelly, par un assassinat Jovenel. Alors, ce n'est pas un an qui va être l'autre. Il est entré vers la réunion, il m'a demandé pour exécuter. Bon, nous-mêmes, ça nous a fait. Nous avons écrit l'institution qui est pour là, qui est pour ça. Nous avons des informations. Et si vous voulez faire travail, il y a une chita avec nous pour nous avoir plus d'informations que nous gagnons tout. Toujours. C'est ça le cas. Mais ce n'est pas Arena qui est assassiné. Qui est derrière pour qui ça? Bon, vous t'as commandé tout pour qu'il y ait un assassiné fiel là? Tu es tué fiel là? Qui est fiel là? Jovenel Moïse. Mais bien, qui est-ce qui fait notre tour, monsieur Espérance? Qui soit répondu tout ça? Non, répondu pour nous. Parce que, vous comprenez, nous c'est RNDDH, nous c'est partisans et des droits. Nous ne pouvons pas partir de la banalisation de la vie. Pour le respect que nous avons pour la société, nous ne pouvons jamais descendre dans la boue ni dans la patria. Ça, c'est un problème. C'est un gros problème par rapport avec l'État, les ressources que l'État est capable de joindre au niveau des taxes. Par exemple, tant que ça a passé la douane, l'État haïtien, et chaque année, il a perdu plus de 500 millions de dollars dans la douane au niveau contrebande. Et si l'État a été voulu, et l'autorité étatique a été voulu, dans ce sens-là, il a besoin d'un minimum pour permettre que. Et nous travaillons, disons, acteurs dans la chaîne pénale, ils travaillent dans les meilleures conditions. Et les acteurs dans la chaîne pénale, là, qui ont été la police, les policiers, ils sont acteurs dans la chaîne pénale, là, tout, avec les juges, les magistrats. Ouais. Malheureusement, ça n'est pas une priorité pour eux, ça n'est pas intéressé. Dans mon exemple, récemment, il y a une réunion qui fait sous question. Reconstruit et caille avec et grandance NIP qui était frappé dans
tremblement de terre dans le mois d'août 2021. Combien de corps international a dit la ramasser? C'est 300 millions de dollars. Alors que nous avons plus passé 500 millions de dollars chaque année qui ont quitté aller dans la contrebande. Côté que c'est de l'État manifeste qui vient au niveau de la douane. Ça a fait. Au lieu que vous faites mon payer, et bien vous prenez l'argent sous côté, par exemple, il y a des conteneurs. On est conteneurs, vous chargez en fonction des de valeurs conteneurs, marchandises dans conteneurs. L'État ici a des conteneurs qui viennent là au niveau de la douane, qui vous évaluent à 18 000 dollars, et puis il y a fait mon payer 62 000 gouttes. Et comme ça, il vient partager entre responsables douaniers. Avec le régime qui est sous pouvoir. Et l'un des régimes qui est sous pouvoir, c'est PHTK, qui est sous pouvoir depuis mai 2011. Donc, qui donc pas de volonté, bon côté autorité étatique, pour améliorer les conditions de travail acteurs dans la chaîne pénale. Là, pendant, il y a bat bravo, parfois c'est Taïwan ou le Japon qui a signé 1 million. Dollars ou bien qu'on paye 1 500 000 dollars et puis les ou bien plus fort ou bien plus que ça qu'on rentre dans la douane calé dans la corruption alors que si vous te voulez ramasser l'argent ou ta population ta bien minimum soit dans la question éducation soit dans la santé et même au niveau de la mangeage même au niveau de la sécurité donc autorité étatique yo yo pas investi dans question acteur yo dans chaîne pénale là yo pas intéressé des questions collectivité a c'est gang avec corruption qui a renforcé en action. Tout d'abord on a dit que démarche nous est inscrit dans cadre pour nous porter supporter aider peuple haïtien spécialement monde qui n'importe où prince et même dans arrière pays qui vivent une situation tragique en matière d'insécurité. Comment pour nous comprendre bien, les gens qui kidnappent les gens qui enlevent les gens, ce n'est pas les mêmes qui sont intellectuels. Dans le laboratoire, ils ont cuisiné les choses. Et nous avons constaté, depuis que nous avons entamé des massacres, tout kidnapping, l'intention pour faire action, ça a grandement diminué. Dans la partie sud pays. Et nous connaissons que la zone, c'est une zone vraiment difficile. Nous avons constaté que depuis presque 8 jours, 15 jours, on a compté sur tout combien d'enlèvements qui fait dans ça. Et la population, grand pile là-dedans qui est content, grand pile là-dedans qui félicite le travail ça et qui a continué à faire en matière de renseignement et puis pour informer les gens. Et les gens qui ont gagné une preuve avérée pour que la justice. Je dis à la, c'est nous avons deux bagages, trois bagages en conférence. D'abord, nous avons passé encore sur le dossier barbecue, Marie-Hélène, avec l'expérience. Et puis, nous avons manqué le comportement espérance, j'en ai fait dans mon journal, pour que nous avons retourné sur lui encore dans la prochaine conférence. Et puis, nous avons une liste de noms qui était supposé commencer à enlever depuis hier. Et tout enlèvement ça, le kidnapping ça, il est supposé être fini avant 18 octobre, avant 18 mai. Pour qui ça? Les gens font un kidnapping, il a créé un malaise, il a créé une instabilité, il a créé, il a fait des autorités retourner des parias, des vilains, et puis pour que la population en lui-même ait une sorte d'animosité. Nous souhaitons faire expérience. Donc c'est dans ce sens ça, monsieur choisit une dizaine de noms, presque une dizaine de noms, et puis pour faire enlèvement, on parle de trois. Et service renseignement, nous, monde qui fait filature, qui fait intelligence pour nous, nous arrivons à joindre ça. Et ça me dit que sur bien pour voir si semaine ça, on pourrait niveau kidnapping pas considérablement baissé. On te fait allusion avec barbecue parce que non monsieur te cite avec que pas connu monsieur du tout mais m'a cherché qu'on est si ça me joint premièrement on te joint notre déclaration barbecue côté que monsieur expliquer
Pierre Espérance voyait un monde venir contacter. Ça a sur tout réseau. Pour faire qui ça? Au fil de l'argent et des armes, pour lui arriver à assassiner Mario Lenné. Un homme qui se donne comme titre défenseur droit à monde. Les babes qui disent ça, et moi qui t'ai contacté là, son condisciple, donc moi-même, moi, j'entendais ça, et puis ça me fait moi-même, m'a approfondi un ensemble de bagailles dans ce sens-là. Et moi, je lis quelque part, sur le téléphone que je fais, en pile confiance, il y a un message qui arrive à jouer de Marie-Hélène. Mais ça a dit qui ça? Ou même avec expérience, nous sommes deux bons amis. Ok? Mais, nous sommes deux bons amis pour moi. Mais, moi-même, m'obliger avec tout. De un bagage. Il y a un travail qu'a fait pour recruter barbecue pour assassiner. Bien avant barbecue, quand tu répétais ça. Hein? Et dans le cas où barbecue pas d'accord, il y a deux bagages qu'a prévu. Ou bien aller en prison, ou bien les mourir. Je me rends compte que ce n'est pas le travail des droits humains qui a fait. Parce que les droits humains, c'est un autre bagaille. Donc, à ce niveau, nous disons que monsieur, et jouer une sorte de méchanceté. La caille au monde qui te balance un certificat dans ce sens-là. Donc, nous disons que ça, il faut que vous fassiez lumière sur lui. L'autre bagaille encore, moi, monsieur Espérance, une sorte de velléité, la pompée. Sur affaire Jovenel. Mais pas oublier que toute rencontre qui fait dans son sac, dans pile qui fait toute l'expérience, conférence qui fait pour madame Coq, puis au deal pendant le massacre, puis pendant l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est quand l'expérience qui était faite. Ok? Bon, paquet l'autre manœuvre, manigette qui fait encore, et là, il fait. Il y a même monde que la justice est quand elle est indexée, puis à l'expérience, acheter téléphone barrio. Il fait au marron de l'argent. Et il dit, monsieur, mission accomplie, par les nationales, tête droite. Donc, sous ça, nous dit que nous pas qu'à quitter la société à plus que 20 ans, on a comme ça, à détruire une population, à détruire les gens. Côté que lui-même, l'a récupéré, lui, seulement, vous connaissez, il saute la gonave, il fait un job de pacotilleur, zone anti-gang. Il a été arrêté le bastonnerie et puis il a fait un faux lit défendre le droit. Mais défenseur de droit, c'est tout en l'école. C'est tout un bagage académique. Et à regarder pour tout le monde qui a fait ce travail. Ça. Donc, et dans ce sens, nous-mêmes nous disons que nous ne pas tolérer ça. Et comme tu as été enlevé pour ensemble du monde, dont moi-même, je prends responsabilité. Parce que là, il y a deux vies sur la terre, une seule vie. Donc, pas maintenant, il faut me défendre et empêcher l'autre monde. Qu'on est même sur ça. La démarche que nous avons fait, dans ça nous avons dit pour les gens qui étaient en dedans, groupe malfrois ça, nous toujours prenons exemple David Domé ou David Doméus. Comme on connaît que nous avons dit ça, et nous écrit ministre, nous écrit ministre et environnement pour me dire maintenant qu'il y a une action, que y a un agent qui est l'institution là, impliqué et que M. Kamete est disponible pour que la justice ou bien le commissaire du gouvernement auditionne ou bien tende. Donc, dans ce sens-là, correspondant ça, nous voulons aller hier. Pour nous arriver à dernier point de conférence, c'est en ce qui a été à mon avis pour terminer. Démarche que je fais moi-même, je informe la majorité de mon salaire pour prendre disposition pour sécuriser tête moi-même. Pour défendre tête yo, pour yo prudent dans ce sens ça, parce que moun ka fait kidnapper là, c'est pas moun ki pa konnen. Moun ka planifié pour kidnapper là, c'est pas moun ki pa konnen. Son moun ki konnen, son moun ki habitué avant. Parfois moun ka dormi dans même côté avant, son moun ki dans même institution avant, son moun ka déplacé avant. Donc dans ce sens ça, vous attendez, on parle avec presque tout moun là yo et ça me pas arrivé joindre yo. Moi fait contact par personne interposée. Par exemple, dans la liste que j'ai là, en attendant, il y a un monde qui a Printemps Bélizet qui sont anciens députés. Non, monsieur, sur la liste, mais dans la planification, monsieur. Là, on prend un autre coup, Jojo Loquet, Fidel Monchil, Rosemont Jean, Rosemila Petit Frère Saint-Ville, Majorie Michel, Louco Désir, Lionel Lajoie, personnel, ça a plus que 80 années, sont anciens ministres
sous le gouvernement Duvalier, je crois. Qui c'est famille, et grand nom et de la joie. Et dernier, c'est Marvel Dandé. Mais c'est bien liste que Malfrayo, de planifier pour enlever Mounsayo, pour créer panique, nuisance. Et nous-mêmes, nous disons que nous prenons responsabilité nous, pour dossier ça à la justice, avec témoignage que nous gagnons, avec témoins que nous gagnons, et information que nous disposons. Donc nous voulons rendre ça public pour la presse. Merci. Jugement fait dans la radio, dans la télévision. Jugement fait tribunal. Ok? Moi, je dis que j'ai une plainte qui est déposée déjà. Et moi, je dis que monsieur, ça travaille pour Pierre Espérance. Mon équipe est monsieur mobilisé autour de ça, qui est en contact permanent avec nous. Donc, deux personnes qui ont pour témoigner, peuvent témoigner. Il y a croisé, il y a fait affrontement. De ça, qui côté vérité a eu. Moi, je dis encore, la justice n'est pas traitée ni en télévision, ni en tribunal. Donc, c'est devant juge. Commissaire du gouvernement, dossier sa balle. Depuis qu'il a eu information, Moi, je dis que j'ai gagné depuis février pour arriver fin mois de mars, après avril. Je dépose plainte là. Vendredi dernier. Depuis février, je suis orientation. Et moi, je dis encore, regardez bien pour vous. À partir du moment où nous entrons de massacre, le kidnapping a totalement diminué dans la partie sud pays. Très bien, vous connaissez. Et cette information, pour nous rappeler, nous avons des machines ensemble. Ok. DCPJ, c'est auxiliaire de la justice. Le commissaire du gouvernement est chef de poursuite. Des bons dossiers à DCPJ, à le commissaire du gouvernement, ça a demandé pour faire. Affaire machine TCA, c'est un simple incident qui est dérivé. Ça a traité, ça a discuté. Dans l'aide, ça nous baille détail. Parce que sur réunion qui fait, c'est des gros barons dans le PHTK. Et nous parlons des réunions qui étaient faites en 2021. Et quelques mois avant l'assassinat de l'OMLEP. On l'autre réunion qui était faite le 16 mars dans un studio dans Kesko. Nous avons des informations sur la machine, la plaque machine et les gens qui étaient là. Nous-mêmes, ça nous a fait. Nous sommes partisans de l'état des droits. Nous sommes RNDDH. Nous contre banalisation de la vie. Nous avons continué la bataille et pas aucun monde qui est capable de faire même. Nous avons dit. Qui est-ce que vous avez fait? C'est pas une. Bah, il y a trois assassinats. On questionne. Non. Joseph Michel Matéli. Ah. Par un assassinat. Alors, ce n'est pas un qui va l'autre. Il est entré vers la réunion, il m'a demandé pour exécuter. Bon, nous-mêmes, ça nous a fait. Nous avons créé une institution qui est pour là. Qui est pour ça. Nous avons information. Et si vous voulez faire travail, il y a une chita avec nous. Pour nous avoir plus d'informations que nous gagnons tout, toujours. C'est ça le café. Mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien qui est derrière l'assassinat. Qui est derrière? Pour qui ça? Bon. Vous t'a commandé tout pour qu'il y ait intérêt à assassiner Fiel. Faire tuer Fiel. Qui est Fiel? Jovenel Moïse. Mais bien, qui est-ce qui est notre expérience? Qui soit le bon tout ça?